Quand Sarlène de Monaco retrouvera-t-elle sa famille? Bloquée en Afrique du Sud depuis de très longs mois, la mère de Jacques et de Gabriella a subi plusieurs lourdes opérations après avoir contracté une infection de la sphère orle. Alors qu'on croyait son retour sur le rocher imminent, la princesse a fait une nouvelle frayeur à ses proches le 8 octobre dernier. Ce jour-là, elle a dû de nouveau être admise à l'hôpital pour la dernière des interventions qu'elle devait subir à la suite de son infection orle, comme l'a annoncé le palais princier. Restée deux jours en observation, Sarlène de Monaco a visiblement pu sortir de l'établissement de santé. L'occasion pour l'épouse du prince Albert II de donner de ses nouvelles par le biais de son compte Instagram. Ce vendredi 15 octobre, une semaine après son intervention, elle a publié un extrait d'une interview enregistrée dans la région du KwaZulu-Natal ce mois-ci, sans pour autant préciser la date. Dans celle-ci, Sarlène de Monaco évoque notamment la raison initiale de sa venue en Afrique du Sud, c'est-à-dire la sauvegarde des animaux en voie d'extinction, notamment les rhinocéros. Je suis déterminée à continuer le travail que j'ai commencé dans plusieurs pays d'Afrique, dit-elle notamment. Conservation, préservation, restauration, éducation. C'est ce pourquoi j'ai créé ma fondation. Je suis déterminée à poursuivre jusqu'au bout ce que j'ai engagé avec ma fondation. Un discours engagé et nécessaire, qu'elle a conclu en évoquant son état de santé tout en répondant aux nombreuses rumeurs dont elle fait l'objet. J'ai eu une infection et malheureusement, elle m'a obligé à rester ici, en Afrique du Sud, explique Sarlène de Monaco. Sarlène de Monaco, ses enfants lui manquent terriblement. J'ai subi une première intervention chirurgicale très réussie, il y a eu des complications, j'ai subi une deuxième opération, maintenant je peux me sentir bien plus forte, a continué l'épouse du prince Albert II. Critiquée pour avoir passé de longs mois loin de sa famille, Sarlène de Monaco a confié être impatiente de rentrer à la maison pour voir ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella. Il me tarde de rentrer chez moi et de revoir mes enfants qui me manquent terriblement et qui ressentent la même chose que moi après des mois d'absence. Et eux aussi trépignent d'impatience de retrouver leur maman. J'ai hâte que Sarlène soit de retour, car elle fait partie de ma vie, de nos vies et de celle de Monaco, affirmait le souverain il y a quelques jours. J'ai également hâte qu'elle m'aide avec les enfants et bien d'autres choses, comme cela a toujours été le cas, car c'est un travail d'équipe.